En février 2018, Gérald Vatelet a débarqué dans l'émission Affaires conclues sur France 2. Les Français ne le connaissaient alors peut-être pas encore, mais il était déjà en revanche une grande star en Belgique, d'où il est originaire. Et pour cause, il y mène une carrière à succès depuis de longues années. Et contrairement à ses collègues dans le programme d'enchères, Gérald Vatelet n'est pas marchand d'art. Il a en effet bien plus d'une corde à son arc. Après avoir évolué dans le milieu de l'hôtellerie, il s'est dirigé vers la haute couture, présentant sa première collection en 1989 qui lui a valu de se faire un nom auprès de clients très sélects comme la famille royale belge. Il y a un peu plus de 10 ans, il s'est tourné vers sa première passion, la cuisine, ce qui lui a permis de faire ses premiers pas à la télévision dans des émissions belges, comme Sans Chichi et un gars, un chef. En parallèle, Gérald Vatelet s'est construit en tant qu'architecte d'intérieur. Il a ouvert sa propre galerie à Uccle, dans la région de Bruxelles. Just Love. Sa vie privée est quant à elle beaucoup moins mouvementée puisque Gérald Vatelet forme un couple stable depuis plus de 20 ans avec son beau Miguel. Sur son compte Instagram, il s'affiche régulièrement à ses côtés, comme le 14 février dernier lorsqu'ils ont fêté leurs 23 ans d'amour. Just Love. 23 years and more to come, légende est-il.